Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Lynn. On s'était laissé en plein milieu du chapitre 4, et on sent doucement la difficulté augmenter. Donc on va tout de suite essayer de faire le puzzle sur lequel on était rendu. Donc je vous ai passé la cinématique qu'on avait déjà vue, et on se retrouve en jeu. Toujours avec nos petits monstres et nos petits feux follets. Et en plus, on n'a qu'une seule tuile amovible, c'est celle-ci. Ça veut dire qu'il faut qu'on amène l'île sur une tuile comme ça. Sauf que comment on peut faire? Sur une tuile comme ça pour attraper le parchemin. Et il faudra ensuite qu'on la réamène pour pouvoir changer pour être sur une tuile comme ça. Ça va être marrant. J'ai pas trop d'idées. On va voir ce qu'on peut faire. Parce qu'il va falloir libérer le feu follet. Et on n'en a pas des masses d'études comme ça non plus. Donc peut-être plutôt que je vais réussir à libérer là. Est-ce que ça change quelque chose? Pas vraiment. Quoique si je mets Lynn sur un de ces trucs là. Ah oui, mais je peux pas tourner. Pas tourner puisque il n'y a pas de rond. Enfin, si je peux tourner, mais pas de la manière dont je voulais tourner. C'est-à-dire que je vais devoir bouger comme ça. Ça me permet de bouger l'île. Ça me permet de libérer cette tuile là. Faudrait que je puisse amener lui pour qu'il puisse la boulotter. Vais-je pouvoir amener lui pour qu'il puisse le piloter? Ça m'a l'air un peu compliqué. Ça m'a l'air même très compliqué. Ouais, puis je peux pas venir sur une tuile comme ça. Comme prévu, c'est compliqué. Je sais pas si ça me rassure ou pas. Non, je vois pas comment amener. On était comme ça. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse amener Lynn en dehors d'ici. Donc on puisse l'amener là. Pour l'amener là, il faudrait qu'elle soit dans un. Comme ça, sauf que on ne peut pas parce que ils sont tous pleins. Ce qu'il faudrait, c'est que le feu follet prenne la place de Lynn, sauf que ça c'est pas possible, et qu'il vienne se faire boulotter. Comment je peux faire ça?
Faut que je... Là, j'ai qu'un seul move évident, on va dire, pour aller manger. Mais peut-être que c'est pas ce move-là qu'il faut que je fasse. Peut-être plutôt qu'il faudrait que je libère... Par exemple, cette tuile-ci. Si je libère cette tuile-là... Voilà, je libère une tuile de chacun. Comme ça, comme ça. Est-ce que ça va me permettre de libérer mon monstre? Toujours pas, en fait. Ça va me permettre de libérer Lynn. Je vais pouvoir mettre Lynn dans un comme ça. Et... Comment je fais arriver mon monstre là? Pour qu'il vienne boulotter ça. Ça me paraît compliqué. Je peux faire avancer Lynn, mais ça m'avance à rien puisqu'il faut qu'elle soit dans un comme ça. Oui, non, non, faut qu'elle reste dans les parages de là. Mais sans le feu follet. Pour que ça soit sans le feu follet, il faudrait que le monstre il puisse venir par là. Sauf que ben, je sais pas comment on fait. Je suis un peu perdu là, je vous avouerai. Je vois pas du tout comment m'en sortir. Je vois bien qu'il faut que je fasse avancer mon monstre. Mais j'ai à peu près aucun moyen d'emmener le monstre que je veux à l'endroit que je veux. Et Lynn n'a aucune possibilité de mouvement. Paraît évident qu'il va falloir qu'elle prenne cette tuile-là pour aller là. Sauf que faudrait que je puisse la vider, cette tuile-là, et que ce feu follet, il m'embête un peu. Parce que je vois pas du tout comment faire. Le problème c'est soit je fais avancer Lynn, soit je fais avancer le feu follet. Là je fais avancer Lynn. Là je libère une case de plus. Je sais pas si ça m'arrange, on verra. Oui, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Maintenant, faut que je réussisse à faire avancer le monstre. Pas si, mais... dans le principe, c'est pas si mal. C'est-à-dire, il faut que... Faut qu'on fasse des trucs chelous. C'était pas une bonne idée, ça c'était pas une bonne idée du tout. Faut pas qu'il vienne manger. Il faut qu'il vienne là. Ce qu'on peut faire, c'est ça. On met de côté, on fait avancer. On fait avancer Lynn, je sais pas si ça a un intérêt, mais au moins elle a avancé. On a réussi à faire aller notre monstre ici, sauf que ça va absolument pas nous arranger parce que c'était la tuile qu'on voulait aller. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. On n'a plus rien pour le faire bouger.
Sauf celui-là, mais bon, celui-là, ça m'arrange qu'à moitié, je pense. Et ben, en fait, je crois que je suis. Je n'y arrive pas, tout simplement. Je n'y arrive pas du tout. Donc bah ça m'embête, mais je pense que je vais arrêter cet épisode-là et je vais attendre vos commentaires parce que je vais quand même prendre l'indice hein, parce que l'indice va peut-être vous aider, mais là on va voir ce qu'on peut faire pour avoir quelque chose comme ça. Alors. Pour avoir quelque chose comme Lynn qui va par ici. Avec ce feu follet. Celui-là, il va là. On a Lynn qui est dans un comme ça. On va voir lequel. Celui-là ne bouge pas. Donc c'est celui-là est allé par là. Et on a un feu follet comme ça en bas et sauf que ça ne marche pas parce que j'ai un plein. Oui, mais les feux follets peuvent bouger. Faut que je fasse bouger mes feux follets, j'imagine. L'idée c'est ça, c'est je vais bouger mon feu follet pour qu'il aille là. Sauf que là je suis bien. Si je suis pas si mal sur leur exemple. Ça c'est là et on a un feu follet comme ça qui est là et du coup Lynn se retrouve ici. Voilà, là on est au niveau de l'indice. Je vous dirai pas que ça m'aide pas plus, mais ce monstre-ci on va rien en faire, on va l'oublier celui qui est en haut. De toute façon, à part nous embêter pour l'instant. Même si je pense qu'à un moment il nous embêtera un peu moins. Quoique si, faudrait le faire aller là, donc on n'a pas cette possibilité là. Je pense que celui-là faut pas y toucher. Mais du coup, faut réussir à ce que Lynn aille dans cette chose-là. Sauf que pour ça, Et ben personnellement, je vois toujours pas. Après, pour aller dans celui-là, mais celui-là, on n'a pas 36 millions de manières de le vider. Et ça serait là. Il me semble qu'on a droit à un deuxième indice quand on n'y arrive pas. Pour le coup, voilà. Donc il faut que Lynn soit là, avec un monstre ici et un monstre là. Elle a toujours pas mangé le parchemin. Donc, Lynn, dans cette tuile-ci. Mon avis, il ne doit pas changer de tuile. Avec un monstre ici et un monstre là. C'est-à-dire que ce monstre-ci va aller en bas. Et ce monstre là. Je suis absolument perdu. Je n'y arrive pas. On a un feu follet qui est là. Naline. Parce que si je fais ça, mon feu follet. Mon monstre, il est coincé. Comment je fais passer mon monstre? Je peux pas faire passer mon monstre.
Non, je vois pas comment inverser les monstres. Là. Je vois pas comment inverser les monstres. Bon. Celui-ci doit descendre. Voilà. J'ai pas cliqué dessus, c'est ça. Lynn doit être ici. Et ce monstre-là, il est pas du bon côté. Donc, faut que je le mette comme ça. Et je le mets comme ça. Et il me reste un feu follet qui va comme ça. Et Lynn. Le feu follet. Voilà, là je suis au niveau du deuxième indice. Autant vous dire que c'est compliqué. Et que je vois absolument pas comment ça nous débloque. Hein, parce que. Faut que Lynn arrive à se débloquer. Si Lynn peut se débloquer. Parfait en fait. Lynn peut se débloquer. Donc. On peut l'amener au parchemin. C'était l'objectif premier. Si j'emmène pas Lynn, on va pas aller très loin. Je peux la mettre dans un comme ça. Pour qu'elle puisse aller dans un comme ça ensuite. On va essayer de pas la boulotter. Pas la boulotter. Comment je peux faire pour pas la boulotter? Est-ce qu'il faut qu'elle avance? Mais j'ai que 4, donc je vais pas pouvoir tourner. Il faut que j'ai un monstre qui vienne. Ici, manger le feu follet et qui repartent. Ce qui fait que je peux toujours pas tourner parce que Lynn va se retrouver coincée. Si, je vais pouvoir tourner. Il faut juste insérer Lynn, faire partir les monstres. Off. Là ah, punaise. Oh. Oui, bah je pense que sur cet échec, on va s'arrêter là. Hein. Je suis désolée. Les niveaux deviennent vraiment trop compliqués pour que j'y arrive. Dans un épisode de moins de 30 minutes, visiblement. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, mettez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez continuer à me voir galérer comme ça sur les niveaux. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis bye bye.